Et on est en vlog. Bonjour. Oh, lundi, début de semaine. Ça va? Ça va? Arrête de m'énerver. Qu'est-ce qu'on fait bien aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Hein, on a allumé les lumières. Il m'a demandé d'allumer les lumières il y a 8 secondes. On fait... Non, celle-là, j'ai pas eu. On fait un jeu. Non! On fait un jeu. Ok, je parlais pas. On a tous préparé un poème. Oh, t'as préparé un poème? Oui. T'as préparé un poème? Tout à fait, hier, bien sûr. T'as préparé un poème? Hier, vite fait, en rentrant là. Tu sais, j'ai l'impression, j'ai l'impression que j'avais des devoirs à faire. Ah ouais, ouais c'est exactement cette sensation. PM, il a dit, pensez bien à envoyer vos poèmes. Voilà. Et j'avais un peu de stress. Ouais, j'ai fait le dimanche soir, c'est vraiment la fin, 21h machin. C'est vraiment les devoirs que tu rends à la bourre. J'ai fait au c'est pour ça, faut toujours faire ça en avance. Moi, ce que je propose, c'est. Enfin, moi, c'est ma façon de travailler. Toujours avoir un ou deux jours d'avance. Non, Tu l'as fait quand? Tu l'as fait ce matin. Attends, peut-être que tu n'es pas entre les lives parce que les gens vont pas te voir. Tu vois, lumière divine. Modifie du setup pendant le vlog. Oh ouais. Oh oui. Magnifique. Voilà. Hey, toi, tu es magnifique, mec. Merci. Vous vous rappelez dans un vlog, on avait fait quoi? On avait fait un test de culture générale entre deux équipes. Vous vous rappelez? Oui, je m'en rappelle très très bien. Il était perdant. C'était il y a 5 jours, ouais. Ah oui. C'était il y a très peu de temps. Non, c'était pas 5 jours. Non, mais c'était il y a une semaine, c'était il y a pas longtemps. Attends, pour moi une semaine, c'est pas 5 jours, parce que pour moi une semaine, c'est 7. Bon, c'est vrai. Venez me contredire, les haters. Sauf un jour ouvré. Prends ça, tu verras. Beaucoup de commentaires disaient quand même que notre quiz avec Camille était plus simple que le vôtre. Donc on sait ce que on le reconnaît, etc. Bien sûr. J'ai fait le quiz après. Tu me les as envoyés par écrit? J'ai tout envoyé parce que pour comparer. J'ai fait le quiz pour comparer. J'aurais eu un peu plus de points sur celui de Lucas et Camille, mais pas beaucoup plus. J'ai lu des commentaires qui disaient Fred, pourquoi t'as pas fait le même questionnaire pour les deux équipes? Je voulais que les gens qui nous regardent participent tout au long de la vidéo pour le watch. C'est malin, c'est très très malin. Tu n'as pas justifié. Ah, attendez, si je vous demande ça, c'est que vous avez perdu, du coup vous avez un petit gage. C'était quoi déjà? C'était une coque qui nous a choisi. On doit mettre pendant. C'est pas moi qui ai choisi. Hein. Okay. Qui a choisi? C'est Camille et moi. Qui a un iPhone 12 on a créé, nous qui a un iPhone 12 mini? Toi ou moi? Mini, c'est toi. C'est ouais. Bah oui, mais c'est standard. Qui a un iPhone 12 Allez, mini? Allez, moi, au hasard. Au hasard? J'en ai fait une très belle avec un c'est toi qui l'as fait? Ouais. Je peux passer la cam à quelqu'un? Ouais, je l'ai faite. On passe la cam à la cam. Alright. Oh. Je suis nul à la boxe. Une petite coche. C'est mignon. C'est mignon. Code personnalisé Rhinoshield pour toi, Pierre. Et parce que j'en suis à 6 semaines de boxe là maintenant. Et bien bientôt, tu pourras l'enlever le jour où tu seras. Non, on a dit une semaine, une petite semaine. C'est beau ce que tu dis. Une semaine. Ah, bah dans une semaine, elle marche toujours. Hein. Je suis très bon à la boxe. Bah merci beaucoup. Bah ouais. Merci beaucoup. Elle est mignonne en plus. Elle est mignonne. Attends, comment ils ont fait? C'est code personnalisé Rhino. Bon choix de couleur. Merci, ça fait plaisir. C'est toi qui avais ça? Pas mal. Allez. Avec l'aide de PH. Qui a un iPhone 12 Pro Max? Je crois que c'est moi. Yeah. Toi, t'as déjà une coque Rhino. Et moi, j'ai une jeune coque Rhino, mais c'est vaut mieux deux qu'une. Non, c'est pas ça l'expression? Non. Un peu raté. Tu as écrit un poème? Tu vas vite le deviner. Hein. Est-ce qu'on voit ce que c'est? Ah oui, on voit ce que c'est. Oui, on voit bien ce que magnifique. C'est. Magnifique. Benjamin? Oui. Est-ce que t'es prêt pendant une semaine? Ah, on va jouer le jeu. Je ne passe tes coups de fil comme ça. Comme ça. Hein. Ouais, attends, je te rappelle. Ok. Allez, tiens, j'en ai pour toi. Oh, yeah. Oh, oui. Est-ce que tu te rappelles de cette photo? Ça devait être dodo dans un avion, mais comme dès que je prends l'avion, je fais tout le temps dodo. Yeah. C'était Grèce. C'était la Grèce. Grèce, ouais. Oh là, beau souvenir. C'est quand tu avais préparé ta vidéo en amont, je crois. Alors ça, un jour, on racontera le... J'aimerais trop la raconter. On est dans l'avion, donc il y a plusieurs créateurs dans l'avion. Je vois un créateur. Voilà, c'est bon. Il est sur 8 pages de Word. Tac, comme ça, tac. Ouf. L'histoire de la Grèce, tout, etc. La Grèce antique. Et Benjamin juste à côté. Tac. Je crois que j'ai deux versions de cette photo où Ben dort et le mec est en train de préparer sa vidéo comme ça derrière. Je m'en rappelle. Vous êtes vraiment un champ contre champ. Je retrouve lui raconter cette histoire. Non, mais malheureusement, c'est pas le thème de la vidéo. Mais évidemment, j'étais en train de réfléchir au concept de la vidéo. Voilà, faut arrêter de faire. Allez, mets là pour voir si elle va bien à ton téléphone. Allez. Donc le thème de la vidéo c'est quoi sinon en attendant? Eh ben c'est très simple, on a tous préparé un poème. Ouais. Oui. En quatrain, alexandrin, tercé. Oula, pas de terme. Et bon, avant que tu me comptes ça va. J'en tire un au hasard, je lis. Et on doit deviner à qui c'est. Oh, attends, c'est beau ça. Ouais. Bah écoute, tranquille, hein, le boulot. Hein. Qu'est-ce que on charbonne. C'est ridicule. Alors une propre photo de soi sur son téléphone, c'est quand même dur. Et surtout cette photo. On tire au hasard chacun un poème, on le lit. Et après, on débriefe sur qui, à votre avis, a écrit quel poème et on compte le nombre de points.
Très bien. Et le perdant à quoi? Il y a encore un gars, parce qu'il y a un perdant là. Je sais pas. Ah bah il y aura un perdant. Parce qu'il y en a moins de points. On fait une petite coque personnalisée. On l'a pas dit, mais c'est une vidéo qui est sponsor aussi Rhinoshield. Oh, on l'a pas dit. Ça fait 10 minutes. On va faire les choses. Il y a tout qui a une pause. Non mais c'est ça, c'est que en fait on pourrait faire le discours classique de il y a les collections. D'ailleurs Camilla, tu peux filmer Hunter x Hunter, League of Legends, NASA, Fortnite, NBA, etc. On pourrait faire un. On pourrait faire ça. Mais non. Mais on s'est dit qu'on allait faire un placement un peu différent. On va faire un placement un peu différent. Donc, il y a une surprise. Il cache un truc derrière. J'ai écrit, vu que c'est le thème de la vidéo, un poème. Oh oui. Rhinoshield. Oh oui. Ah, trop bien. Première phrase. Moi, je vais faire 5 minutes. Je crois qu'on ne te voyait même pas à la cam. Voilà. Et il n'y aura pas mieux. Alors. Du coup, si je peux me permettre, c'est une OPM. Alors, je suis un peu stressé, mais un peu d'indulgence. Moi, ce que j'écris la journée, c'est des mails. Donc, en général, c'est une pièce jointe avec un devis. Donc, là, au niveau des rimes, ça va être. Le poème se termine pas cordialement. Voilà. Bien à vous. On est sur une fin de poème de Lucas. La phrase de Guillaume. Vous êtes prêts? Allez. Vas-y. Indulgence, hein. Ouais, ah, alors là, indulgence. Commence pas comme ça, là. C'est éclaté, frère. Toujours beaucoup d'élégance avec ses belles coques. Tel chef Verekia surmonté de sa toque. Oh. À nos côtés depuis des années, nos amis Rhinoshield, avec leurs produits si indestructibles. N'oubliez pas ce code promo Vlogos, créé grâce à cette bande de beaux gosses. Oh. Mené d'une main de maître par ce bon vieux Pierre Cross. Oh là là! Profitez de moins 10% pendant 48 heures. Une belle réduction pour tous nos spectateurs. Pour des belles protections de qualité supérieure. Des créateurs indépendants avec beaucoup de talent ont designé leur collection et tout le monde est gagnant. I Love Doodle, Paim Studio, Julien Tabé. Autant d'artistes qui vont vous gâter. Oh là là! Si par bonheur... C'est SCH. Si par bonheur, ces designs ont attiré votre attention, n'oubliez pas que toutes les informations sont dans la description. Oh oui, prends ça, Baudelaire, mon gars, il est où la suite Baudelaire? Varenne, dis quoi? Varenne, il dit rien, mon gars. J'étais un peu stressé. C'était magnifique. C'est très beau. C'est vrai? C'est le premier au poème que j'entends et c'est super beau. Non, franchement, c'est... Ok, bon, bah, on passe au jeu, alors. Poème sponsor. Est-ce qu'il y avait des poèmes sponsor? Je pense que c'est... Dans l'histoire de YouTube, un poème sponsor... Même à l'époque. À l'époque les fleurs du mal, ça commençait par ça, tu sais. D'un côté, je te paye. Fais-moi une petite... Un truc, un bon éloge. Ouais, voilà. Qui veut tirer le premier poème? Tiens, Camille qui tire le tien, j'apprends. Si tu tires sur le tien, c'est pas grave. Bah non, tu le lis comme si tu savais pas. Je tire un poème. Allez. Je vais tirer celui-là. Il est très long. C'est sûr. Oh, on reste dans le thème Rhinoshield. Ok. Carrément. Oh Rhino, lorsque mon téléphone fait du rodéo, et même quand il tombe de haut, tu es là pour éviter le chaos. Oh Rhino, toi et ton code promo qui me fait économiser des euros. Sur tes coques, je peux écrire ces jolis mots ou bien y imprimer des photos. Oh Rhino, laisse-moi tenir ces propos avec bien du culot. Pour moi, tu es un héros. C'est tellement Guillaume, ça. C'est tellement Guillaume. Oh, c'est très, très enfantin. C'est les vidéos clans. Mais qui a eu la même idée de faire un poème Rhino? Alors là, c'est Fred qui m'a dit. C'est peut-être le brouillon de ton poème d'ailleurs. Ça serait une coïncidence de malade, quoi, que je fasse deux trucs comme ça. C'est l'ambiance pas empoisonnée, là, tu sais, qui est. On regarde un peu de. Ouais, c'est ça. Ah bah, le poème empoisonné, là. Oui, c'est moi. Vas-y. Non, c'est Guillaume. C'est Benjamin. Non, c'est pas bien. Non. Il y a même un titre, quoi. Il aurait pas maîtrisé la mise en page comme ça, mais. Il y a un titre qui s'appelle, qui est très joli d'ailleurs, qui s'appelle La promenade des idées. Oh là là. Sur Guillaume. Pas Benjamin non plus, là. Rien que le titre, c'est pas belle. À l'esprit amusé, au musée des Beaux-Arts, je démarre. À mon bar, place de Montparnasse, je rêvasse. Au vent des idées des Champs-Élysées, je crée. Mais c'est haut. Aux avis des amis de Bastille, je bâtis. À l'usure du ciel azur de Saint-Lazare, je pars.
Oh, c'est beau. C'est bien trouvé, ça. Guillaume Santin. Guillaume qui aurait pris son propre poème. Guillaume, ça. C'est très Guillaume Santin. Ah, la fierté dans les yeux, là. Là, ça peut être crasse aussi, hein. Il y a un bar, Bastille Saint-Las. Donc là, faut connaître un peu bien Paris, les bars. Donc c'est un petit thème, un petit thème comme ça. Si t'as une sortie, de toute façon, ça peut être que vous deux. Ah, je sais pas. Moi, je trouve que c'est très sentant. Oh, il y a du bluff. Il y a du bluffing. Vas-y, vas-y. Bien sûr, j'ai envie. Il y en a un très long, là. Je vois qu'il fait toute la page. Alors. Tout n'est pas le silence, tout n'est pas le calme de la vie qui dort. Vivre de plein fouet, sans regret, sans remords. Attendez, s'il vous plaît, pardon, pardon. L'œuvre de Benjamin Nair. Ouais, c'est mon œuvre, c'est mon œuvre. Je reprends ou pas du coup? Vas-y, recommence comme là parce que okay, ouais. Ça a l'air hyper triste, non? Ouais. Tout n'est pas le silence, tout n'est pas le calme de la vie qui dort. Vivre de plein fouet, sans regret, sans remords. Nourri de rire, même de larmes. Que l'inconnu soit mon complice. Dans des lieux d'enthousiasme, s'enivrer d'aujourd'hui pour oublier hier, se crier au monde qu'on l'aime et s'endormir apaisé et rempli. J'ai rien capté. Ben. Ça me fait penser à un vrai poème parce que j'ai rien capté. Merci Ben. Incroyable. Mais bravo, ouais. Merci Lucas. Très beau poème de Ben. Tu l'as super bien lu. C'est très premier degré. Hein. Ouais. Ok. Donc là, il y a un titre. Il s'appelle Aude au rire. Non, ça c'est Ben. Aude. Ah, c'est clair, Aude, c'est Aude avec le chapeau là. Bien sûr. Okay. N'a-t-il jamais été aussi important de rire dans une époque aussi morose? Un temps qui s'arrête, où tout se métamorphose. Avec délice, il y a cette bande de vieux bambins, gambadant, riant, dans cette demeure grisâtre que l'on peut apercevoir au loin. Ne serait-ce pas notre hantise que tout s'arrête du jour au lendemain? Ne plus entendre ces jeux de mots au creux de nos oreilles, telle une privation soudaine de notre plus beau soleil. Pour les personnes qui saupoudrent de joie notre quotidien, ces petites lignes pour le plus grand des soutiens, continuons de rire, de sourire, de se divertir dans un monde qui en a tant besoin. C'est Fred. C'est très beau. C'est bon, c'est Fred. C'est très Attends, beau. C'est quoi ton analyse? Bah, parce qu'en fait, il le lit avec tellement de facilité, sans découverte, regardez dans ses yeux, ça fait qu'il ne bougeait pas. C'est lire, c'est sa pupille, tu peux canaliser en blog, mais sa pupille en fait ne bougeait pas. Il y en a deux là qui m'ont bouleversé. C'est quoi les deux? On a un chacun, vas-y. On a un chacun. Alors moi, j'ai pas de titre, mais il n'en est pas moins beau. L'attente te tente, dehors il est temps. Tu es à la tâche que tu te demandes s'il t'entend, s'il est dans les temps, car ton ventre en demande comme s'il avait tes dents. Sonnera-t-il en bas? Quand se montrera-t-il? L'horloge fait tac, l'horloge fait tic. Et quand tu perds espoir que ta foi périclite, le voilà qu'il arrive, le livreur. Oh oui! C'était fier à 100%. Moi j'ai des livres. Non. Mais, en fait, le côté. Trois poèmes pour Pierre. Non, c'est très bien. Non, vous verrez au montage et tout. Moi j'ai dit un autre personne et c'est sûr c'est faire ça. Il est très bien, celui-là. Merci. Franchement, merci. Dernier. Très long. C'est Camille, je vous en. Je veux rendre hommage à une idole, un dieu, une star. On t'a décrit comme un gamin mauvais, un chiard. Un homme puéril aimant les cache-cache et les colas maillards. Tu finis ta vie dans la débauche, fauchée et un peu ronvillard. Ta vie fut parsemée d'embûches, de malheurs plongés dans le brouillard, au point d'être enterré dans une fosse commune, seul dans ton corbillard. Tu incarnes la définition du génie dans tous les domaines et tous les arts. Tu es pour les musiciens un guide, une inspiration, un phare. C'est un classique comme ça, du coup. Il n'y a aucun mystère. Okay. Combien d'hommes ont été émus par tes œuvres, sans doute des milliards. Elles résonnent pour l'éternité, pour tous les peuples, tous les auditoires. Tu es mort beaucoup trop tôt. Quand tant d'autres sont morts trop tard. J'aimerais te dire merci, merci pour tout. Wolfgang Amadeus Mozart. Oh, c'est fort, ça, Wolfgang. C'est très beau. Moi, je pense qu'il y a un piège. Je pense qu'il y a un piège. Ah ouais? Non. Je pense qu'il y a un piège. Moi, je vois ça sur un Luc qui a piégé. Non, non. Moi, je vois Fred ou Pierre. Il y a trop d'infos sur Mozart et tout là-dedans. Faut que je réalise, moi. Ouais, c'est bon. Attends, est-ce qu'on peut les étaler en fait? Faut qu'on les nomme, parce que c'est vrai que certains ont pas de titre. Et comme ça, on pourra dire. Faut qu'on écrit sur nos téléphones nos pronostics. Hommage. Attends, parce qu'en fait, là, il faut qu'il y ait un perdant, c'est ça? Moi, ça me fait. Ça va être long à trois, hein, pardon. Ouais. Orino, c'est long, on vote à chaque. C'est du Camille ou Lucas? C'est du Camille, c'est Orino, non? Rino, ouais, c'est Camille, en fait. Peut-être chacun écrit et sur son téléphone. Et c'est pourquoi Camille, parce qu'elle a écrit vite fait ce matin, donc elle a écrit un truc, vas-y, en haut, que des rimes boum boum. Tout le monde a écrit vite fait. Attends, je fais le meilleur axe. Je fais cet axe-là, j'écris juste mes pronostics. Moi, pour moi, c'est ça, c'est Pierre. Un peu rappeur, rime, tu vois, on doit deviner, fait toc, fait tac. C'est quoi le jeu? C'est on doit de.
Ouais, c'est ça. On va voter combien. Mais bon, c'est quand on donne le titre du truc. Bah, il y a promenade des idées. En fait, ouais, ça, il y a les thématiques. Il faut qu'on devine à qui c'est ça. Ouais. Après, on va repasser sur chacun. Essayez de deviner le vôtre, moi. Ou de rire. C'est le moment fort du vlog, là. Ouais. Ouais. Là, c'est très beau ce qui se passe. Ok. Moi, c'est bon, j'ai mon pronostic. Moi, c'est bon, je ne l'ai pas. Moi, je suis sûr à 1000% de mon choix. Ah ouais? Ce qui ne veut pas dire qu'il est bon. Hein. Ah non, non. Est-ce que tu veux qu'on compare nos choix? Non, non, attends. Non. Ça, c'est Camille, c'est sûr. Ça, c'est quoi? C'est le truc de Mozart, ça? Le truc de Mozart, aucun respect. Honnêtement, j'ai aucune idée. Ok, moi, j'ai mon... J'ai mes pronos. Voilà, voilà. Donc, en gros, on prend un poème. Le celui ouais, qui celui ouais. Celui pour qui c'est, il dit c'est à moi, voilà. Et après on fait les trucs. Okay. Donc tout le monde a écrit Moi j'ai écrit les du coup les 5 puisque je sais lequel est le mien évidemment. Pareil, tout est bon. Pareil. Et je suis sûr de mes choix, monsieur dame. Eh bien, je te souhaite d'avoir raison, Lucas. Merci. Quel est le préféré déjà? Ah ouais, bah c'est dur, hein, dire. Non, il y en avait pas mal de tristes, hein. Oui, c'était glauque, hein. Ouais, ça a été grave le dimanche soir, ah ouais. Je pense. A l'inverse du côté rire qu'on montre souvent en vidéo, faut montrer une autre part de nous, tu vois. Ça, c'est beau. Ouais, c'est... On montre la part où on sait pas trop écrire. C'est ça, déjà, bien sûr. Meilleur moment du vlog. Tiens, je reprends la cam. Parce que... Ah, d'accord, c'était posé depuis le. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Dites-nous en commentaire. Si vous... Quel est votre préféré déjà le et quel est votre préféré, évidemment? La promenade des idées. Allez. Ok, en attendant, je remonte, c'est super coq. Wouh! Ça c'est beau ça. Tu montrais la mienne. Ça c'est exceptionnel. Allez! Ah, montre la mienne aussi. Play without passion is inexcusable. Franchement, j'ai tout fait. Attends, tu peux. Est-ce qu'il est... Tiens, tu peux regarder. Ça c'est ma FVL. Ah ouais, Play il est un peu la même avec ses. Ouais, je peux montrer la mienne. C'est la Camille. Tu vois? Bah, Camille aussi. Oui, ça. Ah oui, bien sûr. On peut pas avoir tout faux parce que si on est un peu intelligent, le nôtre on sait qu'il est. Ah, priori. Oui, on fait le reveal. Alors, comment on fait? Alors. On commence par le Orino, on a commencé par tout à l'heure celui-là. Ouais. Orino c'est Camille. Camille. J'ai trouvé Camille. Oui, c'est sûr. Tout le monde a dit Camille? Non, pas moi. Ah oui. J'étais dégoûté quand au début t'as dit que t'allais en faire un. T'as pas Camille Orino Shield aussi. J'en ai pas en même temps. J'ai pas mis de points là-dessus. La promenade des idées. J'ai mis Pierre, moi. Guillaume. Moi j'ai mis Lucas. Moi j'ai mis Lucas. Ben, moi. Et c'était moi. Ah! Mais oui, bonjour. Une promenade créative, on va bah oui. C'est pourquoi, ouais, déjà, il y a ça et il y a PA qui m'a dit qu'il s'était promené ce week-end pour avoir des idées. Et je me suis dit, c'est un délire. Ah non, pas du tout, alors pour le coup, c'était pas par rapport à ça. C'est moi, souvent, en fait, je me promène souvent pour avoir des idées. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais écrire un poème là-dessus. Et voilà. Un point. Moi, j'ai un seul point. Ensuite, on a. Mais du coup, je veux rendre hommage à Mozart. Guillaume. C'est Fred, ça. C'est non, Fred. Moi, j'ai dit Fred. C'est un piège, moi, j'ai mis Ben. Moi, j'ai c'est Guillaume. Guillaume. C'est tellement Guillaume. Guillaume. Pas de piège, c'est moi. Ah, ouais, ouais. Non, mais regarde, si vous regardez bien, il faut vraiment connaître Mozart pour. Mais oui, pour des vraies histoires. Ouais, mais je me suis dit, quelqu'un allait sur la page Wikipédia. J'ai deux points. J'ai deux faut points. Vraiment connaître Mozart pour savoir que. Fausse commune. Il était fort. Il était fort. Odorir, tiens. Rien capté. Odorir, j'ai mis Fred. J'ai mis Guillaume et c'est Fred. Ouais, Fred Odorir, allez. C'est moi. Allez, hey allez. Ah ouais, allez. Deux points. Ah, t'as pas fait un sans faute, Lucas. Et du coup, on a les deux derniers. C'était quoi les deux derniers? Tout met pas le silence, nanana, vivre truc de... Ça, c'est Benjamin, ça. Ouais, Benjamin, le silence, et Odorir, c'est Pierre. Moi, je dis la silence ou l'attente de tente. Ouais, mais tic-tac, j'ai dit Pierre. Donc, c'est forcément moi l'autre. Bah oui. Tout met pas le silence, c'est Benjamin. Attends, mais celui-là, tu moi. Tu fais pas le silence, c'est toi, Ben? Non, moi non, je dis que je suis celui-là. Moi. Donc toi, c'est attente de temps, c'est toi? Non, moi je dis que c'est Pierre, ça. Ah, ok, donc c'est Pierre. Alors celui-là, c'est toi, du coup? Et donc celui-là, c'est toi, du coup? Ouais, moi, c'est moi. D'accord. Bien, c'est j'ai fait un sans faute. L'attente! J'ai fait un sans faute. Ouais, c'est vrai? Que deux points. Ouais, moi j'ai deux points. Ouais. Deux points. Un, deux, trois, et j'ai quatre points. C'est ça? Parce que là, on se compte nous. Deux points et deux points. On se compte pas. Ah, bah, un point alors. Un, deux, trois. Ah, on se compte pas nous. Bah non, je suis bête. Ah, on se compte donc pas nous. En 4 points même. Ah non, on fait 3 points. Sans se compter, pardon. Mais sans se compter. Sans se compter. 3 sans, points. Sans se compter. Donc, première Camille avec 5 points, bravo. Oui. Ah, ouais, mais... Oui. Alors après, qui a 3 points? 3 points. 3 points aussi, là. Bravo. 2. Bah 2 points. 2 aussi. Parce que, attends, ouais, parce qu'il faut pas se compter, c'est ça? Ouais, c'est ça. 2 points. Bon, Pierre. Quel était le préféré? Ah bah, l'attente, auto-tente. Ah ouais, moi en vrai, j'ai bien aimé. Moi j'ai bien aimé. Attends, il était original. Ouais, la promenade, c'était sympa, la promenade. Ah, hein, merci. Bien écrit. Promenade, c'est sympa, ouais. Bien écrit. Ça touche, merci. On se fait... Il y a quoi? Il y a une coque personnalisée, du coup?
Moi j'ai déjà celle-là à porter pas longtemps. Enfin, je progresse pas. Ah ouais, c'est Rotoy qui a perdu là. Bah non, il y a Fred et moi. Qui... Ou alors on se fait tatouer le poème. Ah ouais. Dans le dos. Ah ouais. De chacun. On a quoi. Le moins aimé. Ouais. Ah ouais. On a le moins aimé du ouais, coup dans le pas dos. Mal. Ouais, c'est pas mal. Ça. Dégage ça. Bah du coup au Rhino, j'avoue j'ai moins. Et je vais au Rhino. Comment font les gens si veulent retrouver nos poèmes écrits pour les lire tous les soirs avant de se faire. Ils veulent pas. Bien sûr, c'est marqué dans la story. Moi je mettrai en commentaire YouTube. Moi je mets en commentaire YouTube. Pareil. Je mets en commentaire YouTube en premier. En commentaire, retrouvez le mien. Avec grand plaisir. Enfin deux hein. Je le mettrai en story moi avec un petit encadré joli, tu sais. Et vous l'avez écrit quand vous? Hier aux toilettes. Bon hier soir. Ok. Il y a une heure. Il y a une heure. Ok. Hier matin. Hier matin. Je l'ai fait ce matin. Bah écoutez, c'était un bon bloc, c'était marrant de faire ça. Le gros moment dans le train hier. Première et dernière phrase du bloc, c'est bien. C'est bon ça. Et bah, merci à tous. Merci, merci pour ce bloc. Merci à Inos. Merci à vous. Merci à vous. D'amour et de bisous. Merci à tous. Lien dans la description pour acheter les codes. Lien dans la description, code bloc gosse, moins 10% pendant 48 heures. Ça c'est beau. Merci à tous. Allez, bisous. À bientôt pour un nouveau vlog. Salut, ciao. Yes.